Bon, je sais pas ce qu'il cherche, mais il est clairement en train de se faire une mauvaise réputation. Faut croire que je suis comme mon père. Peut-être que moi aussi, je suis un connard. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ryan Saïd. Je sais même pas si je vais retrouver la vue. C'est qui? Je reconnais pas cette voix. C'est un connard, je te raconterai. T'es qui? Le con. Je suis encore vénère pour l'autre, là. Mais laisse tomber, il en vaut pas la peine. Je te laisse. Le positif, c'est que j'ai pas à voir ta gueule. J'espère pour toi que tu retrouveras la vue, alors. Tu sais pas ce que tu auras. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, je vais être en retard. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vais t'aider. Tu vas pas rester là tout seul. En fait, oh putain, t'as pas un chat dans une vie antérieure, toi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une passion pour faire tomber des trucs par terre. Y'a enfin quelqu'un qui comprend mon humour. Alors comprendre, ça veut pas dire apprécier par contre. Hein. Tu pensais que t'allais m'enfermer dans les chiottes, je suis presque déçu. Je suis là. Ok. Enfin, sérieux, merci pour aujourd'hui. Hein. C'est pas comme si t'allais m'appeler. Ta gueule. Attends, Jack, tu sais très bien que je plaisante. J'ai pas envie de rire là. Ouais, je voulais te dire que je suis désolé. Sérieux? Dégage. Je suis là, mec. Clairement, c'était pas drôle du tout ce que je t'ai fait. Ça se voit tant que ça ou pas? Hey mec, tu te serais pas un peu oublié là? Enfin, je suis réalisé, je me sens trop con de t'avoir fait ça. Reste là. Vas-y, ferme ta bouche toi, ok? Pourquoi tu fais semblant d'être un connard alors qu'en vrai t'es sympa? Je suis pas sympa. Je suis là. Ok. Ryan. Moi aussi je suis gay, je vais pas te juger. Ok, tant mieux pour toi, mais c'est pas mon cas.